Good morgen, allez, Iden et tu seras aujourd'hui le Lunishmat David Ben Fortuna Mazal Fritna, Dvora Bat Esther, Lucienne Bat Traina et Eliaou Vanish. Si vous souhaitez aussi aider une prochaine étude de Misha, contactez la sécurité éternelle. Nous étudions ma Sechet Nedarim, Perikvav Mishna Zain. Anoder mina yain, mutar betavshil shayeshbo ta'am yain. Amar konam yain ze sheni toem. Menafal la tachil imeshbo benotam tam, un reze asur. Anoder minanavim, motar bayayin, minazetim, motar bashemen, amakonam zetim vanavim elu, shenitoem asur ben, ubayotse ben. Mishnah qui continue le principe de la Mishnah précédente. À savoir, lorsque tu t'interdis une chose et que cette chose-là se mélange à d'autres aliments, est-ce que tu as le droit de la consommer? De manière générale, dans tous les interdits de la Torah, tu n'as pas le droit de manger de la viande qui n'a pas été, qui n'a pas eu la shrita. Si cette viande-là, elle va cuire avec des pâtes ou avec du riz, tu n'auras pas le droit de manger le riz et les pâtes, parce qu'elles ont pris le ta'am, ils ont pris le goût de la viande. Et ta'am keikar, on interdit dans toute la Torah, le ta'am, c'est le même statut que la chose. Pour les nedarim, c'est un petit peu différent, parce que les nedarim, c'est pas la Torah qui les interdit, mais c'est ta bouche. Ça implique donc ce que toi tu as dit, ou ce que les gens appellent tel quel. En l'occurrence, anoder minayin, ce qui fait le neder de ne pas boire de vin. Alors, mutar betavshil sheyeshbo ta'am yain, il aura le droit de manger un bœuf bourguignon, où on a fait un tavshil, un plat cuit, qu'on fait cuire avec dedans du vin. Aujourd'hui, quand tu manges pas du vin, tu manges du bœuf avec une sauce. Tu sens pas que tu manges du vin. C'est plus appelé comme du vin, parce que ça s'est mélangé. Ça a pris le ta'am yain, et c'est permis. D'accord? Par contre, s'il a dit « Amar konam yain ze shenitoem » je m'interdis ce vin-là, comme ce qu'on avait appris dans la lecture précédente. Lorsque tu définis, le principe est simple. Si tu dis « Je m'interdis le vin », lorsque les gens appellent du vin, hors de la sauce de viande, ça s'appelle pas du vin. Mais lorsque tu dis « Je m'interdis ce vin », tu t'es pas interdit l'espèce de vin. Tu t'interdis cet objet-là. Cet objet-là s'implique dans toutes ses formes. Même s'il va se mélanger avec quelque chose d'autre, il sera encore interdit. Et de ce fait, « Amar konam yain ze shenitoem » je m'interdis ce vin hein, que je ne vais plus le goûter d'aucune manière, mais tu as dit ce vin-là, eh bien, venafal la tavshil, après que ce vin-là se mélange au tavshil, au plat, au chaudron, où ça cuit, le plat, eh bien, la Michel va me dire, tu sais quoi, im yeshbo benotentam areize asur. Si le vin que tu as mis, il est capable de donner du goût dans le plat, alors ce sera interdit. Même si concrètement, aujourd'hui, tu manges de la viande, tu vas manger des pommes de terre, tu bois plus du vin, malgré tout, puisque c'est interdit. Ce vin-là, ça implique cet objet-là, dans toutes ses formes, tant qu'il va être encore reconnaissable, tant que mal. Donc la résa sort, par contre. Et maintenant, on continue la Mishnah avec le même principe, cette fois-ci avec un autre. De nouveau, une nouvelle situation. Un odeur, mais un avis, celui qui fait l'odeur de ne plus manger du raisin. Moutarvein, il a le droit de boire du vin. Parce que, lorsque tu dis du raisin, les gens appellent le raisin, hein. Les boules de raisin qu'on mange, et pas le fait, tous les produits qu'on peut avoir faire à partir du raisin. D'accord? Et idem aussi avec Minazetim, Moutar Bachemen, celui qui va faire le néder de ne plus profiter des olives, il aura le droit de boire de l'huile d'olive. De l'huile d'olive, parce que cette fois-ci, on ne prend pas l'huile d'olive en disant qu'on mange, on mange des olives, c'est autre chose. Par contre, s'il a dit Amar Konam Zetim Vanavim Elu Shenitoem, même principe, il va s'interdire que les olives et les raisins, ceux-là, chez Nitoem, que je ne vais plus les goûter, alors là, on revient au même principe que Asur Ben, Vechavitse Ben, ou Bayose Ben, il va être interdit de manger ces olives et vins, et sous toutes leurs formes, même s'ils vont se mélanger avec quelque chose d'autre. Selon le même principe, je répète encore une fois, jusqu'à ce que ça nous rentre dans la tête, Bezant Hachem, lorsque tu t'interdis une espèce, alors on va selon ce que les gens appellent comme espèce, mais lorsque tu t'interdis un objet, alors c'est toutes les formes utilisables de l'objet que tu t'interdis, d'accord? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov, Salam.